Le prince Charles, prince de Galles, ne supportait plus les agissements du père de Meghan Markle, Thomas Markle. Thomas Markle ne cessait de parler du mal de la famille royale britannique dans les médias. En colère, le prince Charles a demandé à son fils cadet, le prince Harry, de parler à son épouse, Meghan Markle. Les tensions entre la famille royale d'un côté et Meghan Markle auraient été déjà présentes dès le début. Harry et Meghan se sont mariés en 2018. Les relations entre Meghan Markle, 41 ans, avec la famille royale n'ont jamais été au beau fixe. Outre les problèmes qui existaient déjà, il y avait également les agissements de Thomas Markle, le père de Meghan Markle, duchesse de Sussex, dans les médias qui n'arrangeaient pas les choses. Ce dernier multipliait les apparitions où il n'hésitait pas à dire du mal de la famille royale. Tom Bowers revient sur l'évolution des relations entre Meghan Markle et les membres de sa belle famille. On peut lire dans le livre Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor comment les fossés se sont creusés entre eux. À cause des agissements de son père, Meghan Markle aurait énervé le prince Charles, 73 ans, et la reine Elisabeth II d'Angleterre, 96 ans, elle-même car elle n'agissait pas. La colère du prince Charles l'aurait poussé à demander au prince Harry d'agir. Prince Charles, Meghan Markle a catégoriquement refusé la demande du prince de Galles. Tout se passe pendant une semaine au mois de juillet 2018 d'après le livre de Bowers. Avec colère, le prince Charles, prince de Galles, aurait posé une question fâcheuse au prince Harry, duc de Sussex. Ne peut-elle pas simplement aller le voir et le faire arrêter? Aurait demandé le prince Charles. La demande du prince Charles n'a pas été exécutée. D'après ce que rapporte l'article du Mirror du 19 juillet, l'ancienne actrice de Suits, Meghan Markle, aurait déclaré que c'était complètement irréaliste. La duchesse de Sussex argumentait que s'envoler pour le Mexique et aller parler à son père pourrait attirer encore plus l'attention sur la famille royale.